Salut, salut les amis, c'est Fut for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi, création d'équipe, DCE live et les amis, le nouvel événement, Centurion, donc défi Centurion, vous récupérez un pack de joueurs hors rares et franchement ça va, c'est pas dégueulasse, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc pour ce défi là, il fallait deux joueurs d'un même championnat maximum, mais il fallait 7 joueurs du même pays minimum. Donc je vous explique le délire. J'ai pris des joueurs autrichiens et j'en ai trouvé dans les championnats. Attendez, on va le faire comme ça. Hop. J'en ai trouvé dans le championnat. Bon, ben, bien sûr d'Autriche, je vais pas vous faire un dessin. J'en ai trouvé dans Bundesliga 2. Ouais, à 200, il y en a. J'en ai trouvé dans Liga 3. Ouais, donc ça fait déjà 2, 4. Plus les deux qui jouent en Autriche, ça fait 6. Et après, il faut trouver d'autres joueurs. Et je les ai trouvés en Suisse, je crois. Voilà. Vous voyez? Maintenant, si ça a augmenté, ne vous prenez pas la tête. Vous voyez, le joueur argent qui joue en Suisse, il est là. Honnêtement, c'est pas un problème si vous ne mettez pas le même. Si vous voulez mettre un joueur or, je pense qu'il doit y en avoir à 350. Voilà, bon, lui il joue en Autriche, voilà, lui il joue en Suisse par exemple. Vous voyez, vous rajoutez 150 crédits, vous en avez un. Moi je vous ai fait le moins cher possible. Si vous voyez que lui il est trop cher, ben, vous mettez un joueur or, c'est pas un problème. Et après vous comblez, et ben, vous allez avoir 14 de collectifs, si mes souvenirs sont bons, 3 et 2, 5 et 2, 7 et 2, 9 et 3, 12 et 2, 14. Il va vous manquer 2 de collectifs. Vous mettez 2 joueurs du même championnat et de la même nationalité au bon poste. Donc vous voyez, moi j'ai pris 2 Suédois qui jouent en Suède, ça m'a rajouté les 2 de collectif, ça fait 16 sur 33, c'est parfait. Voilà, et après ben, vous comblez avec ce que vous voulez. Lui, vous pouvez, en fait en gros, vous pouvez prendre un joueur à 62 et un joueur à 66, même 65 ça passe. Mais si vous mettez un 63 par exemple, ça passe pas, j'ai fait le test, c'est pour ça que je suis parti directement dans l'argent. Pour les deux joueurs là, vous mettez qui vous voulez vraiment. Et si jamais il vous manque un peu, ben, vous mettez un or à la place d'un argent et on est tranquille. Voilà les amis, donc l'explication, je vous conseille pas de faire avec des joueurs autrichiens, je vous conseille plus de faire des joueurs allemands. Ouais, des joueurs allemands en Bundesliga 2, il y en a plein. En Bundesliga 3, il y en a plein, ça fait déjà 4. Et après, ben, faut trouver un autre truc. Ben, par exemple, j'en suis sûr qu'il doit y en avoir en Suisse. En Autriche, pardon. Voilà, en Autriche, il y en a 2 de plus. On peut aller voir où en Roumanie, non, il n'y a pas. En Pologne, est-ce qu'il y a des Allemands en Pologne? Non. Est-ce qu'il y a des Allemands? Où c'est qu'il pourrait y avoir des Allemands? Voilà, c'est fait, faut chercher en fait où on peut trouver des Allemands. Pays-Bas, peut-être, non. Tchèque, peut-être pas. Norvège, oui, ouais. Norvège, il y en a. En Suisse, il y en a. Enfin voilà, franchement, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Il faut juste pas être borné et prendre les mêmes que moi si vraiment ça coûte cher. Vous oubliez, vous passez sur un autre pays. Voilà, tout simplement. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Vous pouvez faire ça avec des Français. Si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête, j'ai encore mieux. Regardez, vous allez dans le champ, dans les Anglais. Vous vous mettez en... En Angleterre 2, c'est obligé qu'il y ait des Anglais en Angleterre 2. Il y en a en Angleterre 3, c'est sûr. Il y en a en Angleterre 4, c'est sûr. Et il y en a en Angleterre 5. Si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête, voilà. Et là, vous avez vos 7 joueurs anglais. C'est tout con. Vraiment, c'est que des exemples bidons. Mais au moins, vous êtes tranquille. Moi, je vous ai fait ça. Voilà, je vous ai expliqué le principe. Vous mettez 3-4 joueurs argent pour histoire d'avoir la note à 65. Et puis, on est tranquille. Allez, c'est parti les amis, on commence avec Nicolas Christophe. Là, vous mettez n'importe quel joueur argent, moi c'est Webjorn Off, Christophe Clarer, Matteo Meisl, Manuel Haas, Jörg Margreiter, Victor Gustafsson, Kania Lechabela, Ali Youssef, Bénédicte Pichler. Et on termine avec Romeo Vucic. Vous avez bien vu, tous les joueurs, je les ai achetés à 200, donc 2200 crédits. Pour ce défi-là, on soumet l'équipe, on récupère notre pack de joueurs hors rares, et c'est parti. On va aller voir ce qu'on chope. Donc les amis, il n'y a pas de swap hein, pour l'événement Centurion. On ouvre, c'est parti, on n'a rien.
Bon, mais c'est vendable. Donc, vous allez récupérer 1004 à peu près. Lui, c'est... ça coûte un peu. Hein. On va se mettre à 1000, on verra si ça part. Voilà, et lui... 850 en offre actuelle. Ouais, c'est pas dégueulasse, on se rembourse quasiment. On va se mettre à 1000, on verra. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve ce soir à 21h, aux alentours de 21h, pour le pack opening. 3 joueurs. Quand il y a 3 joueurs d'équipe de la semaine, notez 83+, ou des semaines 1 à 9, et 7 autres joueurs aura. Ouais, franchement, une grosse douille ça encore. Une grosse douille. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, on se retrouve tout à l'heure sur ma chaîne YouTube à 21h, on aura quasiment 200 packs à ouvrir. Voyez, lui il est déjà parti. À très vite, prenez bien soin de vous, ciao et merci.